Femme blanche, dans la vingtaine, blessure à la tempe, traumatisme crânien. On a un nom ? Pas encore. Pas de portable, ni de sac à main. La mort remonte à quand ? Je dirais environ une heure. Pas d'agression sexuelle ? Ses vêtements sont intacts, c'est peu probable. Est-ce qu'elle est morte ici ou le corps a été déposé après ? Suspicion de plusieurs fractures déplacées. Sans doute après avoir été percuté par un véhicule. Accident avec délit de fuite sur une route de campagne isolée. Pas de témoin. C'est quoi toutes ces égratignures sur ses bras ? Elle a dû se griffer sur des branches, sur ces amas de ronces là-bas. Vous avez vérifié s'il y a des traces de pneus ? Du verre cassé ? On a fermé la route. On fera une inspection en bonne et due forme demain matin. Qui nous a prévenus ? Ce vieux gaillard là-bas. Il revenait du pub. Et est-ce qu'il a un nom, ce vieux gaillard ? Percy Monkford. C'est bon, il est là. Au revoir, monsieur. Monsieur Monkford ? Oui ? Inspectrice chef Stanhope. Oh. C'est vous qui avez trouvé la jeune fille ? Je m'attendais pas à ça. J'avais pas mal bu. Ça, ça peut arriver à tout le monde. Pour tout vous avouer, j'étais ivre mort. Est-ce que vous la connaissiez ? Oh, je crois qu'elle est venue au pub deux ou trois fois. Donc, elle est du coin ? Oui. En fait, elle résidait dans la maison des Carswell. C'est la grande maison, en haut de la colline. Est-ce que quelqu'un est allé voir ? Oui, tout était fermé et personne n'a répondu à nos appels, madame. Il n'y a personne. Est-ce que vous connaissez le nom de la jeune fille ? Non. Mais Suzanne doit le savoir. Elle fait le ménage chez eux. Suzanne ? C'est ma fille. Elle est un peu commère, comme on dit. Vous savez quoi ? On va vous ramener chez vous. Comme ça, on pourra voir ce qu'elle a à nous dire. Alex Gartside, elle est étudiante. Votre père nous a dit qu'elle habitait chez les Carswell. Oui, c'est ça. En ce moment, ils sont en Australie. Leur fille va bientôt accoucher. Est-ce qu'Alex était une amie de la famille ? Non, en fait, elle gardait la maison. C'est une agence qui l'a envoyée. Ouais, je suis juste bonne pour faire le ménage. Ils ont préféré prendre une étrangère pour s'occuper de leur maison. Cette ancienne ferme rénovée qui se trouve en bas de la route. Vous savez qui habite là ? Brian et Lorraine. Toutes les lumières sont allumées, ils reçoivent apparemment. Ils sont nouveaux dans la vallée. C'est sa deuxième épouse. Est-ce que les Carswell ont laissé un numéro ou les appeler ? Oui, un portable en cas d'urgence. Le numéro, ma belle. Oui. Et nous allons avoir besoin d'accéder à la maison. Eh bien, je ne sais pas si je peux laisser mon père ici tout seul. Oh, c'est pas un problème. Laissez-nous les clés. On va se débrouiller. C'est quoi ce truc ? Un piège à papillons de nuit. Thank you.
Est-ce que tu vois un interrupteur? Attends, j'aperçois de la lumière. Inspecté à l'étage. Équipe de la scientifique. On vient de bousiller une scène de crime. Passer la nuit là ? Oh, je voulais leur laisser un peu d'espace. Oh. T'as qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est notre nouvel agent. Ouais, je sais, mais il commence pas avant lundi. Faut reconnaître que il est motivé. Agent Sheridi, madame. J'ai pensé que vous auriez besoin d'aide. Oui. Eh ben, merci d'être venu. Est-ce qu'on a quelque chose sur le corps qu'on a retrouvé ? Pas encore, madame. Oh. Apparemment, une pauvre cloche a contaminé la Seine. Mais je viens juste de parler au jardinier, Harry Benton. Il m'a dit qu'il connaissait l'étudiante. Ce serait bien d'aller lui parler. D'accord. Et après, vous pourrez me faire un point ? Oui. Mais avant, il faudrait vérifier chaque véhicule dans la vallée. Hmm ? Vérifier les plaques d'immatriculation, s'il y a des rayures, des chocs ou bien un feu cassé, la totale. Vérifier les véhicules. Très bien. Celui-là, c'est pas la peine. C'est celui de la pauvre cloche. Mais il faut que vous restiez dans le coin. Ouais, bien entendu. Monsieur Benton. Oui. Inspectrice chef Stanhope, c'est moi qui dirige cette enquête. Merci, mon chou. Renversé par un chauffard. Oui, probablement. Donc vous êtes employé par les Carswell, c'est bien ça. Et vous faites quoi ? Du jardinage, je m'occupe du bétail, je fais un peu tout, on va dire. Et vous connaissiez la victime ? Elle étudiait les papillons de nuit pour une sorte de projet universitaire. Elle allait où à l'université ? Je crois qu'elle m'avait dit Northumbria. Donc là, je suppose que c'est l'un de ses pièges. Ouais, il y en a un peu partout dans la vallée. J'en ai posé pas mal pour elle. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé à Alex ? Je l'avais pas vu depuis quelques jours. Est-ce que parfois elle avait quelqu'un avec elle ? Non, elle était toujours seule. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez fait hier ? Le matin, j'ai arraché les mauvaises herbes, j'ai travaillé dans le jardin, j'ai passé le reste de la journée en bas, avec les moutons. On a un petit troupeau de blackface. Et c'était à quelle heure, ça ? Je dirais vers 18h. Faut surveiller les agneaux, à cause des renards. Ah oui. Est-ce que vous pourriez donner vos coordonnées au lieutenant Ely ?
Il est possible qu'on doive vous revoir si jamais on a du nouveau. Mmh. J'ai seulement besoin de votre nom et de votre adresse au cas où on aurait d'autres questions. Tiens, vous êtes encore là. C'est agréable. Qu'est-ce que tu peux me dire? À part le fait que vous avez peut-être contaminé des preuves. Marcus. Attaque au couteau, plaie unique par perforation, et quelqu'un est sorti par cette fenêtre. C'était quelqu'un de costaud quand même. Est-ce qu'il avait des papiers? Non, rien. Un trousseau de clés, un peu de monnaie, et un ticket de bus depuis Bebington. C'est à quoi? 15 kilomètres d'ici, c'est ça? Qu'est-ce qu'un type de Bebington faisait dans une demeure chic comme celle-ci? J'en sais rien. Je vous laisse réfléchir à ça. Moi, je rentre chez moi. Comment ça, tu fais pas l'autopsie? Quand on aura tous les deux dormi un peu. Oh. Donc, elle serait sortie par la fenêtre. Mais où est-ce que vous allez? La route est par là, n'est-ce pas? Oui. D'accord. On a trouvé de la boue sur ses chaussures et des égratignures sur ses bras, faites par des branches, c'est ça? Voilà. J'ai l'impression qu'elle essayait désespérément de s'enfuir. Ça ressemble pas à un cambriolage. En effet, il n'y a aucun signe d'effraction. Au contraire, on dirait que deux amis ont tranquillement bu un coup ensemble. Ce type qu'on vient juste d'emmener, Alex l'avait invité à venir. Je récapitule. Hier soir, on a retrouvé deux cadavres dans la vallée de Gilswick. La première victime est une femme retrouvée dans un fossé à côté de la route qui mène à Ashbourne. Alex Gartside, 22 ans. Probablement renversé par un chauffeur qui a pris la fuite. Mais on attend la confirmation du légiste. Dis-moi, Kenny, qu'est-ce que ces traces de pneus nous révèlent sur le véhicule? Rien de concluant, madame. Probablement une camionnette ou un 4x4. J'ai vérifié les véhicules enregistrés dans la vallée. Aucun problème à signaler. Très bien. Donc son travail était de garder une maison pour le compte des Carswell. C'est un couple de retraités en vacances en Australie. Est-ce que quelqu'un a pu les contacter? J'ai réussi à joindre Peter Carswell à Brisbane. Ils vont rester là-bas pour le moment. Et l'agence qui lui avait trouvé cet emploi? Gilswick Residential. J'ai pu parler à la directrice. Elle n'embauche que des personnes irréprochables, selon elle. Il va peut-être falloir qu'elle revoie ses critères si jamais on découvre que c'est Alex qui a tué ce gars. Elle était étudiante de master, sciences de l'environnement, ce qui expliquerait les pièges à papillons. Elle était plutôt futée, alors. Oui, c'était une élève brillante d'après l'un de ses professeurs, Alan Randall. Très bien, faudrait qu'on aille le voir. Notre deuxième victime, il est mort d'un seul coup de couteau en pleine poitrine, il n'avait pas de papier. On a vérifié ses empreintes, mais il apparaît pas dans le système. Il avait sur lui un ticket de bus en provenance de Bebington, alors on l'appellera Monsieur Bebington. Et on sait ce qu'il faisait avec Alex? Peut-être qu'ils couchaient ensemble. Franchement, je crois qu'elle était trop bien pour lui. Oh, tu sais, Hélène, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas, Kenny? Il s'est peut-être introduit dans la maison sous un faux prétexte. Il lui a fait des avances, elle l'a poignardé pour se défendre avant de courir, chercher de l'aide. Et où se trouve l'arme du crime, alors? Et surtout, qui l'a renversée? On a fait analyser les bouteilles de bière vides. On y a retrouvé les empreintes de M. Bebington. Donc, si elle lui a offert de la bière, je suppose qu'ils se connaissaient. Kenny, je veux que tu ailles à Bebington. Fais le tour de toutes les pensions et de tous les refuges. Interroge les sans-abri. Et emmène l'agent cher... C'est quoi ton prénom, déjà? Je m'appelle Hicham. Emmène Hicham avec toi. Et nous, on va essayer d'avancer avec ce qu'on a. Alex Gartside. Appel sur son téléphone, email. Je veux qu'il ne reste plus un seul espace libre sur ce tableau.
Faudrait vraiment qu'on continue avec les dépositions. Donne-moi 5 minutes. Et on retourne interroger les voisins. Ok. Trouvez un deuxième cadavre chez les Carswell. Est-ce que vous le connaissez par hasard? Non. Aucune idée, désolé. Son visage ne vous dit rien? Je suis désolée, non. Il est mort poignardé. On pense que ça s'est passé hier dans la soirée. Et dire qu'on était ici en train de boire un verre? Et vos invités? Ils pourraient le reconnaître? La plupart sont deux vieux amis de Middlesbrough, vous pouvez demander, mais... Et en ce qui concerne la route? Est-ce que l'un de vous l'aurait emprunté hier soir, pour accompagner un invité? Non. À vrai dire, on a pas mal bu hier soir, n'est-ce pas? Aucun de vous ne s'est absenté, même un court instant. Non, on est resté ici jusqu'au moment où vos collègues sont arrivés pour nous annoncer que cette fille s'était fait renverser. Et à ce propos, Alex Gartside, vous la connaissiez bien? J'ai dû la croiser au pub 2 ou 3 fois, il me semble. Est-ce qu'elle était avec quelqu'un? Non. Des amis? Je suis navré, j'aimerais vraiment pouvoir vous aider. Naturellement, la maison est à votre disposition si vous avez besoin d'un endroit où rester. Oh, c'est gentil, mais il vaut mieux pas qu'on vienne tout déranger chez vous. En tout cas, vous vivez dans un très bel endroit. Ouais, on a eu de la chance. Un vieil ami à moi m'a dit que les Carswell cherchaient à vendre, alors je suis venu les voir dès le lendemain avec l'argent. Ah oui, juste comme ça? Ah, il y en a pour qui tout va bien. Très bien, merci. C'était le prof d'Alex. Il nous attend en fin de matinée. Pourquoi Alex a-t-elle choisi de venir s'installer ici? Elle n'avait pas vraiment d'amis dans le coin. Toute seule dans cette immense maison vide, au milieu de nulle part. Ouais, parfois certaines personnes ont besoin d'une vraie coupure. Sincèrement, le travail que tu as fourni jusqu'à maintenant est excellent. Alors, j'ai pensé à quelque chose pour ton mémoire, j'aimerais t'en parler un peu. Professeur Rinder? Désolé. Oui? Vous l'avez vu quand, la dernière fois? Je ne sais pas, ça fait bien 2 mois qu'elle ne venait plus en cours. Est-ce que ça lui ressemblait? Ah, les étudiants de master, ce ne sont plus des enfants, mais ce ne sont pas non plus des adultes. Donc, ce n'est pas surprenant qu'ils décrochent, pour ainsi dire. J'ai supposé qu'elle ne venait plus parce qu'elle avait des problèmes personnels. Vous n'en avez pas parlé avec elle? J'ai essayé, mais elle n'a pas répondu à mes emails. Elle avait posé des pièges à papillons de nuit dans la vallée de Gilswick. C'était en rapport avec ses études? Oh non, elle n'étudiait pas les papillons. Ça n'a rien à voir avec son master. Bien. Merci, professeur. De rien. Est-ce qu'elle avait un casier? Déclarée bipolaire il y a 7 ans. Un peu jeune pour un tel diagnostic, je trouve. Ah. Elle alternait période de dépression et épisode maniaque. Et pendant tout ce temps, elle était sous traitement? Il était prescrit, mais je n'en ai trouvé aucune trace dans son organisme. Donc on peut supposer qu'elle avait arrêté de le prendre? Je peux refaire une analyse, mais ça reste longtemps dans le sang, normalement. Elle avait dû arrêter depuis un moment. Et ça aurait pu l'affecter? De quelle façon? Ça dépend. Souvent, ça ne fait rien. C'est difficile à dire. Mais ça a dû être très compliqué sur le plan émotionnel, je veux dire. Bipolaire, ça donne quoi? Des sautes d'humeur? De l'agressivité? Je suis pas spécialiste. Et il n'y a aucune trace d'agression sexuelle? Non. Double fracture tibia péronée en heurtant le pare-choc.
Et elle est morte d'un traumatisme crânien causé par l'impact avec le pare-brise. Donc elle était morte avant de tomber dans le fossé. Elle n'est pas restée là à attendre les secours en vain. Je dirais qu'elle est morte sur le coup. J'ai trouvé des traces de peinture blanche dans ses cheveux. C'est un véhicule de couleur blanche. Et pas des plus récents. Il y avait des traces de rouille sur son jean. On a pu identifier à qui sont les empreintes trouvées près du cadavre. Ce sont celles d'Alex. Il y avait aussi son sang à lui sur ses baskets. Donc, ça voudrait dire qu'elle se trouvait près de lui quand il a été poignardé. Un seul coup au niveau du thorax, avec une petite lame dans les 8 cm. On n'a pas retrouvé d'autres empreintes sur la scène de crime. Non, mais il y avait des fibres dans la blessure faite par le couteau. Elle devait se trouver sur la lame. Elle pourrait venir d'elle ? On est en train d'analyser les vêtements qu'elle portait. On le saura assez vite. Mais il y a un autre détail qui m'intrigue. Le mouchoir qu'on a trouvé dans la poche de son manteau. Sentez-moi ça. Ça sent l'arôme de poire. Acétate d'éthyl, fréquemment utilisé comme solvant. Ah, ça me rappelle mon enfance. Hector, mon père, en utilisait pour empailler les animaux. Ah oui? C'est bon, on va te chercher une tasse de thé, je m'en occupe. Madame Gartside? J'ai un portrait robot du jeune homme que nous avons retrouvé dans la maison. Est-ce que son visage vous dit quelque chose, mon chou? Nous pensons qu'Alex et lui s'étaient rencontrés grâce à leur intérêt commun pour les phalènes. Les phalènes? C'était en rapport avec ses études? Peut-être. Je croyais qu'elle étudiait autre chose. Je sais plus trop. Vous entreteniez un contact régulier? Elle m'avait appelé il y a quelque temps. On se parlait pas très souvent. Elle vous a dit qu'elle avait un peu décroché de ses études? Non, ça se passait très bien, c'était une bonne étudiante. Elle était très consciencieuse. Parlez-moi de ses amis. Vous connaissiez ses camarades de fac? Non, elle n'a jamais fait venir personne à la maison. Pas même un petit ami? Alex n'a jamais été attiré par les hommes. J'ai toujours espéré que ce serait qu'une phase. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son traitement? Je sais qu'il y a quelques années de ça, les médecins lui ont diagnostiqué un trouble bipolaire. Son frère est mort il y a 10 ans d'une crise d'asthme. Mon mariage n'y a pas résisté. Je pense que ce traumatisme, ça et la mort de Simon. Elle vénérait son frère, vous savez. Et après ça, elle s'est... Comment dire? Elle s'est comme... enfermée dans une bulle. Le traitement lui a fait du bien. On peut dire que ça l'a stabilisée. Est-ce que vous saviez qu'elle avait arrêté de le prendre? Non, je ne savais pas. Ça s'était déjà produit avant? Une fois ou deux. Et qu'est-ce que ça provoquait chez elle, sur le plan mental? Oh, je vois. Vous voulez savoir si ça l'avait rendu ma boule? Non, pas du tout, mon chou. Mais on sait maintenant qu'Alex était présente sur une scène de crime. Alors il faut que je demande. Ma fille n'était pas quelqu'un de violent. Elle n'a jamais fait preuve de violence. Je n'ai jamais insinué une telle chose. Personne ne comprend. Tout le monde y va de ses suppositions basées sur je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est de l'ignorance. Écoutez, je suis désolée, vraiment. Vous connaissez l'adresse de mon hôtel? Vous me direz quand je pourrai la ramener chez nous. Ah,
Ça aurait pu être pire. Oh, la ferme. Kenny a quelque chose. Une serveuse à Gilswick a reconnu Monsieur Babington. C'est pas trop tôt. On va peut-être enfin savoir comment il s'appelait, ce pauvre homme. Oui, je l'ai vu. Il a pris un demi. Il s'est assis avec son journal à cette table. Il n'y avait personne avec lui? J'en sais rien, il y avait du monde. Est-ce qu'Alex Gartside est venu au pub hier? Je l'ai aperçu, ouais. Vous savez si elle a parlé avec cet homme? J'ai pas remarqué. Ils n'avaient pas l'air d'être amis, en tout cas. Vous savez s'ils sont repartis ensemble? J'en sais rien. Je suis descendue à la cave pour changer le fût de bière et quand je suis remontée, ils étaient partis tous les deux. À quelle heure vous avez fini? Vers minuit. J'ai enchaîné deux services. Il vient toujours tôt, mais jamais de pourboire. Elle vous a semblé comment la dernière fois que vous lui avez parlé? Un peu absente. Elle était tracassée, je pense. Merci, mon chou. Il a été assassiné, le gars dont vous parlez? J'en ai peur, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ce qu'on essaie de découvrir. Oui, c'est ça. On va voir ce qu'elle en dit. Les fibres qu'on a retrouvées sur la blessure, elles ne viennent pas des vêtements d'Alex. Donc ce n'est pas elle l'assassin. Est-ce qu'on connaît l'identité de notre monsieur Babington? Toujours pas. Quelqu'un a forcément dû signaler sa disparition. J'ai fait le tour des centres d'hébergement et des refuges de nuit. J'ai bien perdu mon temps. Alors, de quoi on dispose au juste? D'un ticket de bus, d'un trousseau de clés sans aucune adresse et d'un vieux numéro du journal de Babington. C'est quoi ça? Il y a un truc de griffonné. De Ski Brockhead. Il y a un 3 et puis 15. C'est le nom d'un papillon de nuit. J'ai lu ça dans un livre. T'entends ça, Kenny? L'agent Sheradi est un vrai rat de bibliothèque. C'est aussi le nom d'un cheval de course. C'est vrai? Oui, madame. Dusky Brocade, 15h15 à Ixam, coté à 8 contre 1. Et il y a un bookmaker à Babington. Kenny, t'es un génie. Eden! C'est parti. Oh, tiens, mon vieux. Merci. Et allez, voilà parti pour un derby qui s'annonce historique avec un très bon départ. Le numéro 17, qui a marqué également le lauréat du Jockey Club en deuxième position, le numéro 22, Sonic. Martin Nelson. Il a placé un pari hier matin. Vous en êtes sûr, c'est bien lui? Certain, il passait beaucoup de temps ici. Donc il venait souvent parier? Ouais, mais il avait pas beaucoup de chance. Ça me faisait un peu de peine de lui prendre son argent. Est-ce qu'il avait un compte? J'aurais besoin de son adresse. C'est 13 Rudd Street, R-U-D-D. Je vous remercie. Quelqu'un? Attends.
Vas-y, ouvre. Allez. La ligne est toujours en service. Fais identité du dernier appelant. Il n'y a aucun numéro. Bonjour madame, n'ayez pas peur, on ne va pas vous faire de mal. Je m'appelle Vera et je suis officier de police. Morte ! Kitty ? Tout va bien ? La porte d'entrée était ouverte. Vas-y, va voir. Tout va bien, mon chou. J'ai réussi à la calmer. Tant mieux. Elle dort à point fermé. Ça fait longtemps que sa mère est dans cet état ? Ça fait 2 ans maintenant. Je passe dès que je peux, pour voir si ça va. Ils vivaient tous les deux tout seuls ? Le père est mort il y a quelques années. Il faisait ça souvent ? L'enfermer ? Je ne sais pas. Ça fait des mois qu'ils attendent une place en maison de repos. Ils s'inquiétaient pour elle. Est-ce que Martin avait laissé un numéro où on aurait pu le joindre, au cas où sa mère aurait eu besoin de lui ? Il n'avait pas de portable, ça j'en suis sûre. C'est le préfixe de Babington. Vous permettez ? J'ai jamais eu besoin de le contacter. Est-ce que vous savez s'il recevait des visites ? Une jeune fille qui s'appelait Alex ? Je pense pas qu'il avait des amis. Pas que je sache. Et d'autres membres de sa famille ? Il y avait personne à part eux deux. Madame ? Channels North East. C'est une association pour anciens délinquants. On ferait bien d'aller les voir. Merci, ma belle. On va voir ensemble toutes les étapes pour pouvoir mener à bien votre projet. L'idée, c'est de vous accompagner au maximum dans vos démarches et vous apporter votre aide tout au long du processus. Certains ont déjà les compétences pour monter leur entreprise. On peut vous donner un coup de pouce et vous apporter une partie des financements. Veuillez m'excuser, j'en reviens. Bonjour. Je peux vous parler un moment ? Ash, tu peux prendre le relais, s'il te plaît, j'en ai pour 1 minute. Nous sommes ici au sujet d'un homme appelé Martin Nelson. Oh, est-ce que Martin a des ennuis ? On l'a retrouvé mort hier soir. Oh mon Dieu, non ! Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Son corps a été retrouvé dans une maison à Gilswick. Il a été assassiné. C'est pas vrai. Vous l'aviez connu à l'association ? Oui, Martin travaillait ici. En tant que bénévole.
Il faisait du classement, il prenait les appels. En fait, on n'avait pas les moyens de le rémunérer. Mais il voulait travailler quand même pour se remettre en selle. Sa mère est très malade. Il était ici depuis longtemps? Je dirais 2 ou 3 mois. Est-ce que Martin était un ancien délinquant? Je sais qu'il avait purgé une courte peine il y a plus de 10 ans, mais c'est pas pour ça qu'il travaillait ici. Vous savez pourquoi il était en prison? Je ne lui ai pas demandé. Vous l'avez vu quand, la dernière fois? En fait, on a dû le renvoyer, il y a 2 semaines environ. Pour comportement inapproprié. Inapproprié? Comment ça? Eh bien, il a tenu des propos déplacés. Des commentaires graveleux. Charlène ne se sentait pas à l'aise. J'ai dit à Martin que ça ne fonctionnait plus, que comme il n'y avait rien d'officiel, il n'a pas fait d'histoire. Est-ce qu'il a eu des problèmes avec vos clients? Pas de dispute? Ou d'altercation? Non, 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 rien de tout ça. Il pouvait sembler un peu bizarre, mais c'était un bon bougre. On va avoir besoin d'une liste de toutes les personnes que vous voyez ici. Nom et adresse, dernier rendez-vous. Toute personne qui aurait pu être en contact avec Martin. Vous savez, la plupart de nos clients essaient vraiment de changer de vie. Je suis certain qu'ils ne sont pas impliqués. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc Martin harcelait sa collègue. Mais nous avons écarté l'agression sexuelle. Je sais, mais les papillons, plus le fait qu'il vivait reclus tout seul avec sa mère, c'est quand même un peu flippant, vous trouvez pas? Oh, mais je vois que tu es très doué pour dresser des profils psychologiques. On n'a rien fait de mal. En 2005, Martin Nelson a purgé une peine de 12 mois ferme, pour voie de fait. C'était sa seule infraction, et il était encore mineur à l'époque. Centre de détention de Farnworth. 12 mois? Ça veut dire qu'il a dû aggraver sa peine pendant qu'il était là-bas. Apparemment, non. D'après son dossier, il s'est tenu à carreau. C'était un prisonnier modèle. Il a poursuivi ses études, et il était bénévole à l'infirmerie. Alors là, on peut dire que c'est pas très commun. Pour la plupart, quand ils sortent de là, ils sont pires qu'avant. T'es sûr qu'il n'a pas fait de récidive? Je vais revérifier. Il a peut-être repris contact avec un ancien camarade grâce à l'association. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme il l'espérait. Ou bien il s'était fait un ennemi sans le savoir. Et Alex était au mauvais endroit au mauvais moment. Kenny, jette un coup d'œil à cette liste d'anciens délinquants. Je veux que tu vérifies leur casier et que tu me signales tous ceux coupables de crimes avec violence. Je m'en occupe. Ça y est, j'ai le détail des appels du portable d'Alex Gartside, comme vous me l'aviez demandé. C'est pas trop tôt. Le dernier appel qu'elle a passé était un appel sur le fixe de Martin Nelson, à 11h16 le jour où ils sont morts tous les deux. Donc ils s'étaient bien donné rendez-vous. Attendez, je vois aussi 3 appels récents vers le numéro d'Alex, passés depuis un autre portable. Vas-y, dis-moi. Fais pas durer le suspense. Non. Si vous la voyez, dites-lui qu'on veut lui parler. Lizzie est partie il y a 1 heure. Excusez-moi. C'est à quel sujet? Lizzie est ma fille. Ah, monsieur Alam. C'est au sujet de la jeune femme qui s'est fait renverser. Ma fille ne la connaissait pas. De toute façon, elle n'a pas le permis. On voudrait quand même lui parler. Vous savez où elle est? Non. Vous n'avez pas une petite idée? À la maison? Chez des amis? J'en sais rien. Où est-ce qu'elle va d'habitude? Ou bien est-ce que c'est coutumier pour elle de disparaître sans prévenir? Non. Non, c'est une jeune fille tranquille. Écoutez, dès que je la retrouve, je lui dis de vous appeler. Le plus tôt sera le mieux, mon chou. Alors,
d'après vous, il a menti ou il était vraiment surpris? Ah, ça peut être l'un ou l'autre, ou bien les deux. Ou il voulait juste protéger sa fille. Tu seras pareil, tu verras. Oui, Kenny? J'ai repéré quelque chose sur une caméra qui se trouve à l'entrée de Gilswick. On voit une camionnette blanche traverser le village. C'était hier soir, à 19h03. T'as vérifié la plaque? Oui, le véhicule appartient à un certain Jason McNeve. Apparemment déjà condamné pour agression, et j'ai une adresse à Bebington. Vous aviez déjà frappé votre petite amie avant ça? Non, c'était juste une dispute qui a un peu dégénéré. Je vois, quelques points de suture. Il n'y a pas mort d'homme. Sachez que je ne tolère pas la violence domestique venant d'un homme et je ne la tolérerai pas non plus venant de vous. Donc, je vous conseille de me dire quelles sont vos circonstances atténuantes si vous voulez éviter que je vous inculpe pour agression. D'accord. J'ai juste pété un câble. Je peux savoir pourquoi? J'en sais rien. Alors dites-moi, pourquoi vous vous êtes disputé? Pour rien, des trucs de couple. Oui, la jalousie, ce genre de choses. Oui, il peut se montrer très jaloux. Et est-ce qu'il était jaloux d'Alex Gartside? Écoutez... J'ai ici une liste de plusieurs appels passés depuis votre téléphone portable vers celui d'Alex, dont certains passaient juste avant l'heure de sa mort. Oui, je le reconnais, on était amis. Seulement amis ou un petit peu plus? C'était juste une bonne copine. Elle était venue au pub et on a sympathisé. Elle avait perdu son frère et moi ma mère, elle savait ce que je ressentais. Oui. Mais Jason ne voyait pas ça comme ça. Il savait qu'elle était branchée fille. Il aimait pas ça. Est-ce que vous croyez qu'il aurait tenté de lui faire peur? Il serait capable de ce genre de choses? Ça n'aurait pas marché de toute façon. Pour ça, il aurait dû... Il aurait dû quoi? Faire quelque chose de plus radical, vous voulez dire? Oui, exactement. Mais c'est pas son genre. Vous saviez qu'il était venu à Gilswick hier soir, dans sa camionnette? Tu lui as fichu une sacrée frousse. J'ai ici une photo de votre camionnette en train de rouler à presque 100 km à l'heure sur une route limitée à 60. Ils ont changé les limitations de vitesse. Oh.
Écoutez, j'étais pressé, je devais aller faire un boulot à Exam. Ah oui? Et chez qui donc? Ben, chez une mamie. Je peux vous donner son adresse? Elle voulait un devis pour refaire son salon. Oh, d'accord. Très bien. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Non. Non? Il s'appelle Martin Nelson. Il habite à Bebington. Désolé, j'ai jamais vu ce type. Il a été assassiné hier soir. J'ai jamais vu. Je veux dire, c'est triste qu'il soit mort, mais... Ah oui, c'est triste. Mais en revanche, vous connaissez Alex Garside, n'est-ce pas? Parce qu'elle est proche de votre petite amie. Ça a dû être une dispute mémorable. Alex a été tué hier soir, renversé par un véhicule de couleur blanche qui roulait à vive allure. Et je crois savoir que vous ne la portiez pas dans votre cœur. Non, vous avez tout faux. Pourtant, c'est ce que Lizzie m'a dit, et je vais prendre sa parole pour argent comptant. Je pense aussi que vous êtes allé à Gilswick pour avoir une petite discussion avec Alex, pour lui dire d'aller se faire cuire un œuf et de lâcher votre copine. Non, c'est Lizzie qui vous a dit ça. Elle raconte n'importe quoi. Elle est devenue complètement dingue depuis que cet Alex a déboulé ici. Et tout ça, ça vous a rendu vraiment furieux, j'imagine. Hmm? Je vais vous dire ce que je pense. Vous êtes allé à la maison pour régler vos comptes avec Alex. Et la situation a dégénéré, comme ça arrive assez souvent. Hmm? Martin a tenté de s'interposer et il s'est passé quelque chose d'imprévu et de terrible. Sauf que j'étais pas là. On a retrouvé des traces de sang sur votre jean. Je peux savoir d'où elles viennent? Aucune idée. C'est n'importe quoi. C'est tout ce que vous avez. Hein? Lizzie. C'est bon. Vous n'allez pas l'inculper? Ah si, je vais le faire. On ne plaisante pas avec la violence domestique, ni avec le fait de mentir dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Mais elle ne sait pas ce qu'elle fait, ça n'est qu'une gamine. Tout comme Alex Garside. Alors je vous conseille de la surveiller, car je vais sûrement devoir la réinterroger. Madame, j'ai parlé à la vieille dame qui vit à Exam. Jason n'est pas venu faire les travaux. Et on sait si la peinture provient de sa camionnette? Le labo est en train de vérifier. Tu sais quoi? Je suis pas sûre qu'il soit capable de faire une chose pareille. Même sa copine pense que c'est lui. Non. Madame, le sang sur le pantalon de Jason. On a reçu les analyses. Bon. On vient juste de parler à la vieille dame qui habite à Exam. Et elle affirme que ce jour-là, vous n'êtes pas venu. Non, elle doit confondre, c'est sûr. Votre camionnette a été aperçue en excès de vitesse au moment de l'accident. Tout le monde sait que vous en vouliez à la victime. Ajoutez à ça des antécédents de violence et un mensonge sur votre alibi. Sincèrement, quelle conclusion vous tireriez si vous étiez à ma place? D'accord, ce soir-là, j'étais dans la vallée. Mais j'étais pas... J'étais avec un pote pour promener les chiens. Oh, donc ça explique le sang de blaireau retrouvé sur votre jean. Avouez-le, vous êtes un braconnier. Ça m'arrive de chasser de temps en temps. Donc vous admettez, vous êtes livré à des activités criminelles à proximité de la maison des Carswell? Vous savez, en ce qui me concerne, ça ne fait que vous impliquer plus, pas moins. On s'est fait chasser de là. Par un vieux schnock qui nous a vus près du terrier. Il est devenu dingue parce qu'on était sur le domaine. Et il vous a poursuivi avec une fourche, c'est ça? Demandez-lui si vous ne croyez pas. Il vous dira qu'on est entré illégalement. D'accord, mon chou. Et qu'est-ce qu'il va me dire d'autre? Qu'on a détalé comme des lapins, par exemple. Et qu'on s'est fait flasher par votre radar. Thank you.
Où est-ce qu'on en est avec la liste des anciens détenus? Je suis toujours dessus. Ah, c'est bon, rentre chez toi. T'as assez travaillé pour aujourd'hui. Allez. Je m'y remets demain, à la première heure. Je vous dis à demain, alors. Hé, Hicham. Tu sais que tu seras payé qu'à partir de lundi. Bonne soirée, madame. Kenny, t'es encore là? Je peux vous donner un conseil, madame? Ouais, mais il y a de grandes chances que je l'ignore. Tout ça sera encore là demain matin. Rentrez dormir un peu. Bonne nuit. Bonne nuit, Kenny. Suzanne? Tout va bien, ma chérie? Décès par asphyxie. Aucune trace de lutte. Elle n'était pas dans son assiette tout le week-end, depuis que j'ai retrouvé cette petite, en fait. Elle ne voulait pas que je reste dans ses pattes. Alors elle vous a envoyé au pub? Oui. Je suis rentré un peu tard. J'ai cru qu'elle était partie se coucher. Quand je pense qu'elle est restée là-bas toute la nuit, dans la grange. Monsieur Monkford, est-ce que votre fille savait conduire? Oh, oui, mais elle conduisait seulement le pick-up. Pu passer à côté. Le nouveau a vérifié tous les véhicules. Le pick-up était ni enregistré ni assuré. Et elle avait menti sur son emploi du temps.
Oh ben, tu peux retourner au bureau. Il faut qu'on fasse un rapport. Vous ne venez pas? Non, je vais aller me dégourdir un peu les jambes. Oh, c'est Percy. Il vient juste de retrouver sa fille pendue dans la grange. Il semble que ce soit elle la responsable de la mort d'Alex. Et elle n'a pas pu le supporter. C'est vraiment triste. Et vous avez quoi là-dedans, mon chou? C'est pour me dire ça que vous êtes venu jusqu'ici? Non, pas exactement. Est-ce que vous avez eu une altercation avec deux jeunes de Babington, la nuit où Alex est morte? Tout va bien, je sais ce qu'ils étaient en train de faire. Salopard de braconnier, ils trouvent ça amusant. Est-ce que vous l'avez vu s'enfuir, le gars avec qui vous vous êtes disputé? Ben, un peu. J'ai essayé de le suivre. Il m'a semé sur la route de Babington. Ben, on peut très bien l'inculper, il vous suffit juste de témoigner. Non, c'est réglé, cette histoire. Pas nécessairement. Vous faites quoi, là? Du soutien aux victimes? Oh, ça lui ferait peut-être passer l'envie. Ce qui lui ferait passer l'envie, c'est une bonne rouste. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Je suis parti quelques années, voir ce que le monde avait d'autre à m'offrir. Je suis allé jusqu'à Middlesbrough, et je suis revenu tout de suite. Je dois avouer que c'est un bel endroit pour être son propre patron. Ouais. J'imagine qu'avec elle, le temps passait plus vite. Alex. Ouais, c'est vrai. On a vécu de bons moments. Vous allez faire quoi avec tous ces pièges? Je vais les enlever, je suppose. Quand je pense qu'elle l'a laissé sur le bord de la route comme un animal. Quelqu'un s'occupe de vous, mon chou? Ah non, tout va bien, merci, j'attends Eden. Charlie, c'est ça? Oui, je... Restez assise, mon cœur, je vais aller vous le chercher. Vous êtes Vera, n'est-ce pas? Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Celle avec qui il passe toutes ses journées. Il a une très haute opinion de vous. Il vous reste combien de temps? 2 mois, c'est ça? Oh, non, 2 semaines plutôt. Oh, ça pousse vite. J'imagine que vous êtes contente que ça se termine. Oh, pas vraiment, je suis terrifiée. Je vais réclamer du chloroforme. Tout ira bien, vous inquiétez pas pour elle. Oui. C'est pas toi qui vas devoir pousser en même temps. Où est-ce que vous allez? Ah oui, oh, bien sûr, l'échographie. Oh non, il y a plus besoin d'écho. Là, on va dépenser de l'argent, c'est pour ça que ce radin a attendu jusqu'à la dernière minute. Ah, très bien, eh ben, bon shopping alors. Je suis sûre qu'on va pouvoir se débrouiller sans toi. Je lui avais dit qu'on allait à l'écho. Laisse tomber. Suzanne Monkford, son suicide.
Qu'est-ce que ça implique pour notre enquête? On sait que la mort d'Alex était un accident. Donc ce n'est plus un double meurtre. C'est Martin Nelson qui était visé depuis le début? Eh ben, c'est ce que je pense. Mais j'arrive toujours pas à savoir pourquoi. J'ai pu me pencher sur la liste fournie par l'association. J'ai pas encore fini, mais j'ai déjà relevé quelques anomalies. Je t'écoute. Eh ben, par exemple, ce gars a reçu une subvention pour monter sa boîte. Oui, validée par Jerry Close. Sauf que, quand j'ai entré son nom dans le fichier... Décédé? Il y a 2 ans? Oh, c'est sûrement une erreur. Une fois ou deux, peut-être, mais il y en a 3 ou 4 comme ça. Tenez, celui-ci purge une peine de 15 ans pour vol à main armée. Mais je me souviens de ce type-là. Il sera pas en liberté conditionnelle avant 5 ans. Je crois qu'il faut qu'on ait une autre conversation avec Jerry. Parfait, merci. Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de saisir vos biens, mon chou. Comment ça? Mais arrêtez-vous, vous pouvez pas faire ça. Donc voilà, je dois mettre la clé sous la porte, c'est ça? Et qu'est-ce que vous faites de nos clients? Justement, c'est bien ça le problème. Il me semble qu'une bonne moitié de vos clients n'existe pas. Attendez, je comprends pas, il doit s'agir d'un malentendu. Nous devons accéder au compte de la société. Bilan comptable, audit et la liste de toutes les personnes que vous employez. Ah, c'est Shirley qui s'occupe des finances, c'est elle qui a tous les mots de passe. Non, attendez... C'est l'endroit parfait pour s'échapper un peu du boulot. Je ferais pareil si je pouvais. J'avais un début de migraine. Fallait vraiment que je prenne l'air. J'aurais juste quelques petites questions à vous poser, maintenant qu'on dispose de nouveaux éléments. On peut aller chez vous? Il faut qu'on fasse ça maintenant. On peut aussi rester sur le front de mer si vous vous sentez toujours un peu patraque. L'air marin vous fera le plus grand bien. Ces commentaires que Martin avait faits. Ces remarques salaces. Oui. Ça ne s'est produit qu'une seule fois? Ou bien c'était un problème récurrent? Eh bien, ça durait depuis quelque temps. C'est étrange parce que de tous les gens qu'on a interrogés, vous êtes la seule à évoquer cet aspect de sa personnalité. Il était peut-être différent avec moi. Je le connaissais bien, vous savez. Ce n'était pas quelqu'un de fiable. Pourtant, il semble que Jerry lui avait accordé le bénéfice du doute. C'est bien ça, son problème. Il croit qu'il y a forcément du bon chez tout le monde. Ah. Oui, cette association compte beaucoup pour lui, n'est-ce pas? Mais voilà. Je crois qu'il a détourné des fonds. Jerry ne ferait jamais une chose pareille. Quelqu'un a pourtant bel et bien trafiqué les comptes. Je crois qu'il faut que je m'allonge. Excusez-moi. Migraine. On peut venir retourner votre maison dans tous les sens, ma jolie. Et tôt ou tard, nous finirons par mettre la main sur ces relevés de compte. Alors pourquoi ne pas nous dire la vérité maintenant? C'est un conseil. Martin n'a jamais fait aucune remarque déplacée. Mais il avait découvert votre petite combine, n'est-ce pas? J'ai seulement pris un peu d'argent. Ça ne faisait de mal à personne. Et vous avez fait virer Martin Nelson pour ne pas vous faire prendre. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ce que vous avez fait est ignoble. Il l'avait bien mérité. Il avait commencé à me faire chanter. Pour avoir une part du gâteau, c'est ça? Non, il ne voulait pas d'argent. Il voulait des informations. Quel genre d'informations? L'accès au casier judiciaire. Les données personnelles d'anciens criminels, j'aurais jamais dû le faire. Mais j'étais prise à la gorge. Bon, alors, il y a 3 mois environ, Martin Nelson décroche un emploi en tant que bénévole dans une association. Il découvre très vite que Shirley Hayworth détourne des sommes d'argent et il décide de la faire chanter afin d'obtenir des informations confidentielles, les données personnelles d'autres anciens criminels.
mais Shirley réussit à le faire virer et il meurt 2 semaines plus tard. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de spécial, tous ces anciens détenus? Où est-ce qu'ils ont tous purgé leur peine? Un peu partout. À Barlini, à Strange Ways. Et pour ce qui est des centres pour mineurs? Farnworth? Ils ont tous séjourné là-bas. Dans le même centre de détention pour mineurs que Martin. Mais à des dates et des années différentes. Alors qu'est-ce qu'il cherchait et pourquoi il essayait de les retrouver? Je collectionnais tout un tas de choses. J'avais pas le droit d'y toucher. Je suppose qu'il va falloir tout jeter maintenant. Je suis vraiment désolée, mon chou. C'était vraiment un bon garçon. Est-ce que vous voulez bien me parler de son séjour à Farnworth? Si ça peut vous servir. Est-ce que Martin était resté en contact avec d'autres pensionnaires? D'autres anciens détenus? Oh, non, c'était pas le genre d'endroit où on se fait des amis. Oh, c'était un endroit terrible, rempli de gens plus mauvais les uns que les autres. Mais j'en ai bien sorti, n'est-ce pas? Du moins, c'est l'impression que j'en ai eue. Non, pas du tout. Je me souviens que quand il est revenu, c'était plus le même. Ils ont tous souffert là-bas. Mais lui, ça l'a marqué plus que les autres. Un ancien détenu de Farnworth a appelé au bureau. Je t'écoute. Il a dit qu'une femme l'avait contacté il y a quelques semaines. Apparemment, elle connaissait déjà son adresse. Elle voulait lui parler de son séjour là-bas. Il t'a dit comment elle s'appelait? Elle lui a pas dit. Mais son numéro a dû apparaître sur son téléphone. En effet, et c'est celui d'Alex Gartside. Mais pourquoi elle s'intéressait autant à Farnworth? Est-ce qu'elle voulait aider Martin? Ou est-ce qu'elle avait ses propres raisons? Il faut vite que je puisse reparler à sa mère. Quelqu'un peut me la ramener au poste? Elle est chez les Carswell pour récupérer les affaires d'Alex. Pas laissé grand chose. Ça fait pas beaucoup pour toute une vie. Je suis vraiment désolée, Madame Gartside. Quand mon fils est mort, j'ai cru endurer les pires souffrances qu'une mère puisse jamais supporter. Mais cette histoire... Je ne peux même pas imaginer votre peine, vraiment. Votre fils est décédé suite à une crise d'asthme, n'est-ce pas? Oui. Vous étiez près de lui quand c'est arrivé? Il était dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Et est-ce que son asthme avait toujours été problématique? Non. Avant d'y aller, il utilisait à peine son inhalateur. Je ne sais pas si c'est à cause des cigarettes ou bien du hache ou je ne sais quoi d'autre qui aurait pu l'exacerber, mais... C'est arrivé en pleine nuit. Le temps qu'il retrouve la clé de sa cellule, il était mort. Est-ce qu'Alex savait ce qui était arrivé à son frère? Elle savait ce que ça a fait à notre famille. Je crois qu'elle n'a jamais accepté la version qu'on nous a donnée. Elle avait besoin d'une explication. Madame Gartside, est-ce que vous avez accepté l'explication qu'on vous a donnée sur la mort de votre fils? Oui. Tout à fait. L'autopsie a eu lieu en août 2005, à l'hôpital de Durham et Darlington.
mort au centre de détention pour mineurs. Cause de la mort, arrêt respiratoire. Mmh. Dans le pavillon médical. Bon, est-ce que Martin aurait pu être présent quand c'est arrivé, hein? T'as bien dit qu'il bossait à l'infirmerie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y a eu soupçon de négligence concernant la perte d'un inhalateur. Et une accusation. La crise aurait été déclenchée par des violences de la part des gardiens. Mais ça a été démenti par un témoin. Oh, par Martin Nelson. Ouais, Nelson. Qui étaient les agents? C'est le directeur de la prison qui a lui-même rédigé le rapport. Ça y est, on le tient. Vous savez où est votre mari, Bonchot? Je ne sais pas, au pub sûrement. Pourquoi voulez-vous le voir? Il a l'intention de quitter la région? Non, ce n'est pas lui. Va voir au pub. C'est moi qui m'en vais. Est-ce que le nom de Simon Jenner vous dit quelque chose? Qui? Simon Jenner. Un ancien pensionnaire du centre de Farnworth. Non. En tout cas, votre mari doit le connaître, puisque c'est lui qui dirigeait le centre à l'époque. Il se trouve qu'Alex Gartside était la sœur de Simon Jenner. Et que Martin était également détenu là-bas au même moment. Ah oui, eh bien, c'est peut-être le cas, mais je n'étais pas au courant. La nuit où Martin est mort, vous avez affirmé que ni vous, ni votre mari n'aviez quitté la maison. Est-ce que c'est exact? Oui. Où est-ce que vous voulez en venir? Mes agents ont retrouvé certains de vos invités et ils affirment que votre mari s'est bien absenté ce soir-là. Monsieur Brian Allam, je vous arrête pour suspicion de meurtre sur la personne de Martin Nelson. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Lizzie lui a téléphoné ce soir-là et, comme d'habitude, il a tout laissé en plan pour aller la voir. Pourquoi nous avoir caché cette information? Ça ne m'a pas semblé important. Sauf que, voyez-vous, j'ai ici une liste d'appels passés depuis le téléphone de Lizzie ce soir-là. Il n'y a aucun appel vers le numéro de votre mari. D'après vous, pourquoi il nous a caché où il allait vraiment? Il m'a dit que le petit ami de Lizzie lui causait encore des ennuis. On se disputait beaucoup parce qu'il la faisait toujours passer avant moi. Alors j'ai choisi de l'ignorer et de profiter de la soirée. Pourquoi vous croyez que j'ai fait mes valises? Je sais pas, mais j'imagine que tout ça va vous manquer. C'est très différent de Middlesbrough. Brian a dit l'autre jour que c'était un vieil ami à lui qui lui avait dit que les Carswell avaient l'intention de vendre cet endroit. Vous savez de qui il s'agit? Alex a tout fait pour sympathiser avec lui. Il l'a même aidé à installer ses pièges. Il y avait deux gardiens en service cette nuit-là à Farnworth. C'est pas après Brian Allam qu'elle en avait. Où est-ce que vous êtes? À Valley Farm. T'as qu'à chercher ma Land Rover. Ici le lieutenant Illy, je veux une voiture en renfort le plus vite possible. Vous êtes toujours à l'affût du moindre danger. On n'est jamais trop prudent. Ah, ça, je vous le fais pas dire, mon chou. Pourquoi vous avez appelé Brian Allam cette nuit-là? J'ai fait ça, moi. Sûrement pour le prévenir qu'il y avait ces voyous. Ah oui, les braconniers, c'est ça. Vous vous connaissez depuis longtemps, n'est-ce pas?
Et on a travaillé ensemble. Et déjà, à l'époque, il s'occupait bien de vous. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Alors il est venu vous voir, après avoir quitté sa soirée? Je sais pas de quoi vous parler, j'ai pas vu Brian cette nuit-là. Ah non? Je vais essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. Premièrement, vous n'avez pas poursuivi ces braconniers sur la route de Bevington, contrairement à ce que vous m'avez dit hier. Non, moi je crois que vous vous êtes battu avec eux. Et qu'après, vous avez téléphoné à Brian pour l'avertir de la présence de voyous dans sa propriété et peut-être obtenir son aide pour leur filer une trempe. Et juste après, vous êtes allé prévenir Alex. Va les farm! J'ai pas vu Alex cette nuit-là. Vous avez rien contre moi. Je parie que ça a dû vous faire un sacré choc de le voir là-bas. Mais ça n'était rien du tout, comparé à la trahison d'Alex. C'était après vous qu'elle en avait depuis le début. Elle est venue jusqu'ici pour vous tendre un piège. Et vous avez sauté dedans à pieds joints. Je voulais seulement l'aider dans ses études. En revanche, elle, pendant tout ce temps, ne pensait qu'à dévoiler au grand jour qui vous êtes vraiment. Vous êtes arrivé chez elle et que vous avez vu l'homme capable de détruire votre vie assis là tranquillement. Martin Nelson ne pouvait pas détruire ma vie. Il était à moitié débile. Ah oui? Et est-ce qu'il était toujours aussi débile quand il a confirmé votre version pendant l'enquête sur la mort de Simon Jenner? Il a simplement dit la vérité. Jenner est mort d'une crise d'asthme. Lisez le rapport. Oh, mais je l'ai lu, mon chou. Vous et Brian en train de vous dédouaner mutuellement. Et aussi le pauvre débile qui corrobore votre version. Parce que vous l'avez obligé à le faire. N'est-ce pas? Vous avez brisé ce pauvre jeune homme. Il était déjà flingué. Ils l'étaient presque tous là-bas. D'après vous, pourquoi ils étaient ensemble ce soir-là? Hein? Je suis allé chez les Carswell pour voir Alex. Je savais pas que Martin Nelson s'y trouverait. Dès qu'il m'a vu, il est devenu dingue. Il avait une bouteille à la main. Il buvait sans doute une bière. Vous êtes en train de parler d'un ancien criminel. Un ancien criminel instable qui m'en voulait à mort. Il s'est jeté sur moi, sans que je l'ai provoqué. Ah, je vous en prie, vous êtes fort et en bien meilleure forme physique que ce jeune homme. Vous auriez pu très facilement le maîtriser, mais vous vouliez le réduire au silence. Alors vous avez sorti un couteau de votre poche et vous l'avez frappé en pleine poitrine. Légitime défense. Alors si c'était bien lui l'agresseur et qu'il s'est retrouvé au sol, pourquoi, dans ce cas, Alex s'est-elle enfuie? Et pourquoi l'avez-vous poursuivie? Je voulais qu'elle se calme. Ça, on peut dire que vous l'avez calmée. Vous l'avez pourchassée jusque sur la route où elle s'est fait renverser. Et vous l'avez laissée là, dans le fossé. Quelle est l'expression que vous avez employée? Comme un animal. Elle aurait pas dû s'enfuir. Ah, je vois. Donc c'était sa faute, c'est ça? C'était juste un accident regrettable, comme celui qui est arrivé à son frère. C'était un accident.
Ah, mais ça, on ne le saura jamais, n'est-ce pas? Parce que la seule personne qui pouvait affirmer le contraire, vous l'avez tué ce soir-là. Madame. Il y a une arme à feu de l'autre côté de ce mur. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Harry Benton est prêt à être interrogé. Ok, ça t'embête pas de prendre celui-là? On va les monter l'un contre l'autre et voir ce qui peut en sortir. D'accord, ouais. Est-ce qu'il était dans le coup? Dans la mort de Simon Jenner, tu veux dire? Ah oui, j'en suis persuadé. Il devait forcément savoir ce que son équipe avait l'intention de faire. Mais pour le meurtre d'Alex? Non, je crois pas. Ça, c'était l'œuvre de Benton. Cette pauvre jeune fille. Tout ce qu'elle voulait, c'était rendre justice à son frère. Allô? Quoi? Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. T'en es où avec les contractions? Quoi? Est-ce que c'est... Le bébé arrive. Eh ben vas-y, enfin, tu veux pas qu'elle accouche dans un taxi? Je te retrouve là-bas. Très gentil à vous d'être venu. Madame Nelson appréciera votre geste. J'ai lu toutes les lettres que Simon avait envoyées à Alex. Et il y en a une où il parle de Martin. Il semble que c'était un bon garçon. Je vais faire en sorte qu'elle l'ait. Je suppose qu'il l'avait obligée à se taire, n'est-ce pas? Oui, mais il a quand même trouvé le courage de parler à la fin.